bonsoir à tous, voilà, ben, on commence le live ce soir. Merci déjà d'être là. Salut Sakura, salut David. Quoi, je suis tout décoiffé hein, ce soir. On commence le live sur une note triste, l'Angleterre nous a quittés. Bon, on fait pas de politique, hein, là on est là pour parler guitare, mais bon, voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par un petit blues avec les lunettes de Elton John. Donc j'espère que vous allez bien, tous. Donc voilà, vendredi soir, c'est le week-end, tout va bien. Alors bonsoir à ceux qui sont là, enfin, ceux dont je vois les noms. Bonsoir Seth, bonsoir Sakura, bonsoir David. Ça fait des années que je travaille mon plan blues en fait, un plan slide, on fait à la maison, entre amis. Voilà, c'est pas une spécialité chez moi, mais voilà, j'aime bien. Donc là, j'ai pris pour l'occasion la petite Ibanez de ma femme, qui est assez sympathique. D'ailleurs, il faut que je répare parce qu'elle est trop acoustique, elle ne marche plus. Alors là, Pierre, bonsoir, salut Johan, yes. Bonsoir mon pote. Alors Pierre, ben, je l'accorde en open de sol hein, le plus souvent. C'est très rare que je l'accorde autrement pour faire de l'open, sauf quand je vous y aime des danses que j'avais travaillé à l'époque. Je pourrais pas vous le refaire parce que c'est un morceau très compliqué. J'avais travaillé et donc là c'était un open de ré, je crois. Open de ré, voilà. Open de ré, mais je l'avais déjà fait là-bas, Vincent, l'open de ré. Mais ça, tu vois, par exemple, dans le montage, ça y sera, tu vois. Et tu auras une belle ré, rien que pour toi. Salut Steph, bah écoute, ça va très bien, impeccable. Bon week-end, Donatien, super. Alors voilà, on va commencer ce live tranquillement. Ah Vincent, merci Vincent. Alors d'abord, je vais répondre à Vincent. Too much talking, not enough music, j'adore ça. Ah Gary, salut Gary. Ouais, je suis doux comme un agneau, Steph. Ah, il y a ma femme qui nous rejoint sur le live, qui est dans la chambre à côté. Donc, elle est interdite de salon. Enfin, elle n'est pas interdite, mais elle n'aime pas trop se montrer. Donc voilà, donc plein de choses au programme de ce live ce soir. On est en week-end, c'est le top. Sur le groupe guitariste que je remercie, hein, le plus grand groupe de France, on le sait, on se régale. Première chose, ce soir j'ai acheté une guitare. Y'a rien, je suis allé à un magasin Sun Music à la scène. Enfin, je vais mettre une musique de fond parce que je me sens tout seul. Je sais que vous êtes là, je me sens terriblement seul. Je vais mettre un truc qui n'a rien à voir avec le steak. Ah, musique de vie, ça aurait été pas mal. Bref, donc j'ai acheté une guitare, on a la Sun Music à la Seine-sur-Mer. Alors Sun Music c'est un super magasin, c'est dans Toulon les environs. IAM, ouais, IAM, j'adore IAM. J'aime beaucoup de choses, hein, l'école du micro d'argent, tout à fait. Et donc j'ai acheté une guitare, j'étais pas allé pour acheter une guitare, je suis allé pour faire quoi, je ne sais plus. Et j'ai essayé une guitare, j'ai vu un Dobro à 400 euros, complètement neuf, c'était magnifique, j'avais envie de l'acheter. J'avais envie d'acheter une guitare sèche, parce que j'avais envie de jouer de la sèche, parce que on a tous eu une guitare sèche qu'on a laissée chez un copain qu'on n'a jamais revu, par exemple. Je pense que déjà arrivé, une guitare sèche, voilà, petite moyenne, mais par contre une guitare sèche, dans les soirées sympas, ça fonctionne toujours, il y a le son, il y a là, enfin j'aime beaucoup les guitares sèches. Du coup, José de Sun Music, donc m'a fait essayer une Takamine. Salut Richard, ça va Richard? J'espère que tu vas bien, je sais que ça va, enfin j'en sais rien, mais je suppose. Donc la Takamine, voilà, il m'a fait essayer une Takamine, c'est une ETN 60C. Je me sens tout seul dans ma propre maison. Alors voilà, bon je vous la montre, allez, comme ça c'est fait. Takamine ETN 60C, donc c'est une électroacoustique. Voilà. Et je l'ai pas eu pour vraiment cher, et puis elle est neuve, hein. Mais je l'ai vraiment pas eu cher, en fait. C'est une guitare qui vaut, je pense, d'origine, ça vaut dans les 1300 euros, bon. Là, le mec, il m'a fait déjà un effort. Donc, je comptais pas l'acheter, et puis, j'avais envie d'une guitare sèche. Bon, là, pour le coup, j'ai pris un truc un peu, une belle guitare, hein. Donc, je vais la faire sonner tout de suite. Donc, elle est pas branchée, hein, comme la Libanaise tout à l'heure. La reine de Nîmes est arrivée. Oui, ma reine. Elle est allée prendre un yaourt dans le frigo, ma reine. D'ailleurs, j'ai une annonce spéciale à faire ce soir, mais je la ferai plus tard. Allez, on fait sonner la guitare. J'avais préparé un backing track médiéval dans l'esprit du Brexit en fait. Cédric Labranche, mais Labranche, ça dépend c'est quoi qui te branche. Oh allez, je fais sonner la guitare. Allez, sur un backing track médiéval que j'ai pas vraiment. Je l'ai écouté tout à l'heure, je l'ai pas préparé, hein, que vous me connaissez, je prépare rien. Allez, c'est parti. C'est juste pour s'amuser 2 minutes, hein, je vais pas vous la faire entière, elle dure 25 minutes. Alors Ico il envoie des liens vraiment bizarres, mais je vais cliquer dessus, on va voir. Hein. Ico, si je casse mon ordinateur, ce sera ta faute, il y aura une inflammation derrière. Allez non, ça devrait aller. Takamine c'est de la balle. Je vous montre ce que le lien qu'il m'a envoyé. Voilà, Takamine c'est de la balle. Merde. Hop.
Allez, je refais un petit peu de. Je la refais sonner un petit peu sur un BT un peu plus blues, tranquille. Mais elle n'est pas branchée, évidemment, c'est moins bien. Je vais faire de la guitare électrique après. Hein. On va parler du contest hein, que j'ai organisé. Et puis, vous savez que je suis un fouineur. J'ai trouvé des petits contests par-ci par-là qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Des fois, on dit, il n'y a plus de contest. Alors, des fois, c'est vrai, il y a des périodes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contest, on n'en trouve pas. De temps en temps, il y en a un peu plus. Ils sont plus ou moins intéressants, je vous l'accorde. Allez, dans le style de Rick Clapton, je vous rappelle plus le morceau. C'est Odd Love, le morceau. J'aime bien ce morceau. Voilà, ça va bien avec la sèche. C'est parti. Donc on l'entendra électroacoustiquement parlant, on pourra essayer. Merci hein, pour les commentaires les gars. Ouais merci Nico, là c'est vraiment la, voilà, c'est une belle guitare. Le mec quand il me l'a vendue, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Il m'a dit vraiment ça me fait plaisir de te la vendre à toi. Alors bon, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Il s'attendait pas à ce que je lui achète une guitare comme ça. Hein. Quand on me voit arriver en général, le mec il croit que je vais acheter une hache ou. Ok là c'est super les gars, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a plu? L'histoire de le faire, donc, tout le vent confondu, hein, pour moi c'était important de le faire comme ça. Peut-être que je ferai un truc avec... En fait, il n'y aura jamais de level... les gens, ils viennent, ils se sentent ou ils se sentent pas. Peut-être si jamais... Là, le contest marche bien, hein, honnêtement, il y a 9 personnes hein, qui participent. Ça, c'est énorme, hein, je trouve, quoi. Ouais, les Jasmine, carrément, ouais, carrément. Puis là, honnêtement, je l'ai essayé en magasin. Parce que je m'y connais absolument pas en guitare sèche et encore moins en tacamine. Et franchement, je l'ai essayé, elle m'a plu. Et le mec, il a fait vraiment des efforts. Ah, merci. Bah alors, je suis plus guitariste électrique qu'acoustique. Ouais, tu as raison, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Maintenant, la mode, c'est d'offrir des fleurs, de dire s'il vous plaît, etc. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Et il paraît que les nouveaux modèles sont beaucoup plus chers. C'est exactement la même chose qu'on m'expliquait. Elles sont à 1 500 €. Bon, après, on les trouve moins chers, évidemment. Le Sun Music s'aligne sur Thomann. Hein. Justement, ce monsieur José de Sun Music est extraordinaire. Voilà, ça fait des années qu'il me reçoit bien, que quand j'ai quelque chose de cassé, il me le répare, il fait toujours le maximum. Puis voilà, j'ai pas hésité à lui acheter la guitare. Garantie 2 ans, je l'ai eu à 840 €. Ça vaut 1 300 €. Thomann, tout ça, c'est dans les 1 200, un truc comme ça. Donc le mec il a encore fait un effort, enfin voilà. Et en plus il était content de me la vendre à moi. C'est vraiment. Donc il reste encore de très très bons revendeurs, de très bons, des mecs sympas, passionnés. En guitare électrique j'en ai quelques-unes. Une Furche. Alors je sais pas ce que c'est une Furche. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, c'est une guitare que j'ai gagnée en fait avec un concours Fender. Voilà. Voilà. C'est une Stratocaster USA 60e anniversaire. Je m'en sers jamais, je sais même pas comment elle a sonné parce que honnêtement, la dernière fois je l'ai branché, c'était il y a longtemps. Ah ouais, les concours j'en ai fait plein, genre. Je m'en sers pas souvent, j'ai changé les micros. Donc vous pouvez voir, j'ai du Dimarzio en aigu. Le micro aigu qui était ici, donc je l'ai mis au milieu parce que c'était le meilleur des trois. 10 de Lille, ouais, super. Et celui d'en haut, c'était un Seymour Duncan mais qui est pas à sa place. En réalité, ça sonne pas vraiment. Donc j'ai déjà acheté un autre micro pour le remplacer. Après, dans la vie, on a qu'une guitare, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans la vie, il y a qu'une guitare qui compte. Moi, ma guitare, vous la connaissez, c'est ma Nonocaster, qui est légèrement customisée. Donc voilà, moi, c'est ma Nonocaster, mais bon, après, voilà, il y a d'autres guitares, c'est quand même une guitare de ouf, hein. J'ai arrêté de parler et je vais jouer. Je vais lancer le Bias FX, comme vous savez. Alors ouais, la clope, je la mets sur ma tête, je la mets dans les oreilles, je l'ai mise un peu partout, ma clope. Salut Arthur. Alors moi, je bois pas de bière, bon, j'ai arrêté de la bière, parce que ça me fait gonfler. Voilà. Alors la guitare, oui, donc pour le contest, je l'ai gagné. Donc pour le Fender contest, je sais plus comment il s'appelle ce contest. Vous savez, l'arrêt d'un âge, ça va être un bonheur. Salut Alban, ben, bon courage à toi. Et maintenant on part sur la guitare électrique, là, maintenant ça suffit.
difficile. Allez, Aurélien, envoyez un lien, c'est parti. Ouais, je suis un peu gamer, ouais. Après, ça s'est arrêté. Ton lien, il a disparu. Je sais plus c'est qui m'a envoyé ça, Aurélien. Hop, ça a zappé, ça a disparu. Alors, c'est à toi, ouais, je suis gamer, GP gamer, je le suis toujours un peu, moi maintenant. Merci les gars, merci. Merci, j'en rêve. Voilà, je pense que j'en ai acheté une, je sais pas quand. Allez, Ico, il a envoyé quelque chose, c'est parti. Et après, je change de guitare, on fait une pause, je change de guitare. Ah, morceau de Ico, ça part de là, je change de temps pour l'occasion. Juste pour vous expliquer, je m'en sers pas souvent, donc les sons bias ne sont pas prévus pour elle. Ceux qui veulent être présentés, c'est le moment où je peux faire une petite entracte. Ico avec qui j'ai déjà fait une petite... une collaboration. Merci chérie. Donc si vous voulez voir une bonne collaboration sympathique sur le thème de GTA 4, ouais c'était 4 à l'époque, allez sur la chaîne de Johan. J'ai vu qu'il y avait Sébastien aussi qui est passé, je sais pas s'il est encore là. Sébastien, je t'embrasse. Alors comment tu me trouves chérie? Je gère ou pas? Je demande à ma femme si elle a pas trop honte de moi en fait. Ah ouais, est-ce que tu m'entends là-bas en décalé, ouais. Ma femme elle m'entend en stéréo. Déjà je parle beaucoup. Ta femme doit être rose avec mes doigts, ouais. Elle me le dit souvent. Ouais. on me le dit mais depuis que j'ai commencé la guitare quoi, hein, depuis que j'ai 13 ans quoi. Mort de rire. Voilà, mais moi je vais le passer le morceau, oui. Bouge pas, Yohan, je vais le passer. Alors avec les images c'est mieux parce que il y a comme du GTA 4. Collaboration. C'était un extrait, ouais, avec les glaçons, Johan me connaît, mais bon, j'ai accepté la critique, je fais tout ça hors champ, sauf la cigarette, hein, les gars, vous me l'accordez, sinon je joue de l'automaton, méfiez-vous les gars. Bon, en tout cas, je voudrais vraiment remercier tout le monde, vraiment les trois Facebook guys ont vraiment bien marché sur la chaîne,
Franchement, c'est super, votre participation. Alors après, c'est vrai que je vais essayer d'inclure des contenus un peu plus intéressants, parce que c'est vrai qu'en réalité, je fais juste le con devant la caméra, en faisant des chorus, machin, bon, il y a peu de choses intéressantes, donc je vais essayer à l'avenir de faire des trucs un peu plus intéressants. Alors les trucs intéressants, c'est quoi? Il y a les présentations des autres, ça je le fais volontiers, ça c'est vachement bien. Alors les contests, on peut en parler des contests. Ah, une pelle, mais moi je connais bien la pelle aussi, tu sais, je connais la pioche aussi. Là, c'est pas compliqué, la deadline c'est le 30 juin. Voilà, donc il n'y a pas de level requis. Faut le passer les champs en fait sur le chorus, donc peu importe le niveau. Voilà. Sinon, si vous voulez, je peux vous parler des contests que j'ai découverts aujourd'hui. Alors, il y en a un super intéressant, mais qui est très compliqué. Mais il est tellement compliqué, je pense que je ne sais même pas si je vais le faire. C'est un guitariste qui s'appelle un guitariste breton, que certains doivent connaître, qui jouait Pascal Mulot, un indice. Moi, je ne le connaissais pas, hein, je vais être honnête avec vous. Voilà, et il y a une sublime guitare, c'est une guitare de marque Farida. C'est une guitare d'origine chinoise, qui s'appelle Farida, donc c'est une super guitare. Alors, le guitariste Equinox, ça doit parler à certains, hein, parce que moi, ça me disait quelque chose, mais... Et le guitariste, c'est Inoffice, donc qui est une guitariste breton qui a fait carrière en Chine. Voilà, hein, qui joue un peu dans le style, un peu de fusion, un peu Satriani, tout ça. Alors, je vous envoyais le lien pour s'il y a des téméraires. Parce qu'il faut reproduire un de ces morceaux, en fait, quoi. Et le télécharger sur un YouTube chinois qui s'appelle UQ. Je l'invente pas. Ouais, Farida, c'est chinois. ou mexicain. Ouais, le poliolo, quoi. Alors, je vous envoie le lien. Voilà, s'il y a des téméraires, la guitare, elle est sublime. Hein. Honnêtement, je savais pas comment attendre. J'ai cliqué là-dessus en cherchant un petit peu. Et le mec, c'est un breton, un super guitariste. Qui joue vraiment entre Malstim et Satriani, c'est un peu son style, hein, on va dire. Alors j'ai trouvé un autre concours qui est beaucoup moins compliqué. C'est un magasin de musique, il y a une basse Fender à gagner en fait, et il faut faire 10 secondes de chorus. Et alors j'imagine que c'est un tirage au sort, hein, que c'est pas le meilleur qui gagne, hein, tout ça. Donc moi je me suis pas fait chier, j'ai vu ça hier soir, j'ai envoyé, je l'ai trouvé. Donc c'est Bax Music qui fait ça, vous pouvez tous participer. Donc 10 secondes de chorus enregistrées comme vous voulez. C'est ce lien qui est là. Allez-y, faites un tour sur ça, là. Bax Shop, là. Il y a une basse à gagner. 10 secondes de chorus, enregistrées comme vous voulez. Donc c'est deux nouveaux contests. Alors j'ai fait deux autres contests aussi, mais vous les avez vus. C'est le contest de Nelly Broche, qui est une guitariste jeune, une demoiselle, qui joue plutôt bien, qui fait des concerts avec, comment il s'appelle, Tony McAlpine, hein, que j'aime beaucoup. Elle a fait un petit contest aussi, vous le retrouvez sur ma page, Nim Guitariste, machin, je mettrai les liens, tout ça. Et le concours The Guitar Hour, qui est très sympathique aussi, que j'ai fait aussi il y a pas longtemps, je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, c'était tout pour les contests. Je vais vous mettre un petit morceau en attendant, j'espère que vous resterez. Vous êtes assez fidèles quand même, finalement. Moi aussi d'ailleurs. Hein, chérie. Du blues, alors bien sûr, ouais, on va faire du blues. Alors écoute, Seth, oui, si ce concours marche bien, et apparemment ça a l'air de bien marcher, je pense que j'en ferai d'autres. Voilà. Mais ça sera dans le cadre de ma chaîne. Je vais vous mettre un morceau que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup de choses différentes, mais j'aime surtout faire chier le monde. Alors je vais vous faire écouter un morceau d'un jeu vidéo, on me demandait si c'était un gamer. Un jeu vidéo complètement obscur, donc peut-être certains l'ont connu. Si vous l'avez connu, dites-moi le en commentaire. En tout cas, vous avez sûrement connu la machine, hein, donc c'est un l'Amstrad CPC 464, si certains ont connu 664, plus rare 664, ou 6128. Et il y avait un jeu sur un dragon qui est absolument exceptionnel, avec une musique assez bizarre, assez triste. Donc je vous laisse sur ça, je reviens dans 30 secondes. Ah, l'Amstrad. Moi j'avais celui à cassette. Ouais, ça je crois que c'est ma meilleure vanne, le plus jazz. Ouais. Bon, je vais faire mieux alors. Alors croyez-le ou pas, le morceau que je vais vous mettre, c'est un excellent guitariste, très professionnel, et qui m'a avoué un jour, honnêtement, je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, en tout cas moi je lui fais confiance, qui a joué avec Patrick Sébastien, donc il a participé à la création de ce morceau. Voilà, donc je vous laisse sur ça, régalez-vous, je reviens dans 20 secondes. Je suis très fan de ce genre de vanne. Je vais changer de guitare surtout, quoi. On m'a passé sur la libanaise, la Espace série, hein, que vous connaissiez. Libanaise, ma parole. Donc pour ceux qui la connaissent pas, Libanaise série, gratuite, un premier prix, c'est une guitare qui vaut 400 ou 500 euros neuve.
Allez, je repasse sur BSFX. Ça ressemble à une arcane. Alors tu vas te marrer, Olivier, j'en ai une arcane. J'ai une lague arcane qu'on m'a offert pour mon anniversaire, un ami à moi, et je m'en suis très peu, voire jamais servi, parce que bon, j'ai ma Fender qui est super guitare, et la lague, j'ai jamais trouvé mon compte, par contre je la trouve d'une beauté exceptionnelle. Fatigant, hein. Et bon, comme dirait mon ancien conducteur de travaux, on est mieux là comme prison. Ok les gars, bah, merci beaucoup. Je vais changer de guitare, tranquille. Alors on a parlé de tout, on a parlé des contests, ça c'est bon. Ben Olivier, Jérémy, t'as été un noob, oui, peut-être. Mais bon, un noob un jour, ça te réanime un jour, quoi. Peut-être. Ah ouais, le petit doigt, ça, le petit doigt, c'est pas évident, le petit doigt, hein, je reconnais. Moi, je le menace, je le menace, quoi. Je dis, écoute-moi bien, quoi. Alors, j'avais une annonce à faire, un peu particulière, qui a rien à voir avec la guitare. Alors, j'ai un secret pour vous, les gars, mais vous le dites à personne. Vous le dites à personne. Est-ce que vous pouvez garder un secret, les gars? Ma femme est enceinte. Félicitations à toi, Will Nim. Will Nim, c'est un mec qui s'appelle comme, presque comme moi, en fait. Mais il est pas encore moi. Merci, les gars, merci, ça fait plaisir. Avec ma femme, avec qui je fais de la musique, hein. J'ai fait des concerts, tout ça. On avait un groupe très hard rock à l'époque. Je mettrai les liens aussi, hein. Sarah et Nim, tout simplement. Je vais changer de guitare, je vais prendre ma guitare de prédilection. Alors, quelqu'un qui m'a demandé du blues, tout ça, moi je le fais volontiers. Il y a un blues que j'aime beaucoup, je l'ai déjà fait deux fois. Alors, la première fois, je l'avais bien fait, la deuxième fois, je l'avais moins bien fait. Et j'ai l'envie de vendre vengeance en fait, parce que j'ai envie de jouer Cold Shot de Thierry Vaughan. Donc voilà, ça c'est ma guitare de prédilection, c'est Nono Castor. Nono d'ailleurs, Norbert Cliff, que je remercie toujours parce que j'ai gagné deux concours grâce à lui. Alors, ouais, je vais vous faire Thierry Vaughan, moi j'adore ce morceau. Je vous dirai pas, je vais vous jouer texto parce que déjà je ne travaille plus. C'est sûrement un tort hein, de ma part, mais ça ne m'a jamais intéressé de jouer un morceau texto. Voilà, ça m'a toujours gonflé, même gonflé, je vous dis clairement, ça me gonfle. Oula. Ah, il n'y a pas de son. Hein. Ah, elle s'est pas branchée, c'est pour ça. Donc là, comme vous pouvez le constater, toutes les guitares que j'utilisais avant ne font pas le poids avec la Nono Castor. Clairement et nettement, quoi. Pourquoi? Déjà, c'est des micros simples, alors je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Ouais, moi aussi, Cléomène, je suis d'accord avec toi, ça me gonfle de... Tu sais, tous les jours, alors j'ai même travaillé du mastin, note à note, machin et tout. Voilà, c'est un travail qui est gonflant, voilà. Donc ça m'a jamais plu. Voilà, moi je suis un surfeur. Je ne suis pas un professionnel, je ne veux pas être un professionnel. Je ne veux pas être une star. Non. Et donc, et voilà. Et ma guitare, ma Nono Castor, donc elle est pourvue d'un... Alors si je vais pas vous ouvrir le capot, mais il y a un mid-boost à l'intérieur, comme pour la Clapton, hein, qui est dosable. Donc c'est un mid-boost qui est dosable ici. Donc on a vraiment le son des micros simples, quoi, et en plus on peut avoir vraiment le gras d'une Gibson, c'est plus 12 décibels dans les médiums. Voilà. Alors je vais tenter parce que, comme je dis, je ne suis pas sûr de moi, mais bon, je connais un peu le morceau quand même. Cold Shot, je vais essayer de trouver le backing track qui convient parce que c'est pas trop évident. Donc, quand on prend un backing track de Steve Ray Vaughan, souvent il est en. J'attends vos réponses. Le premier qui répond, il a gagné le pins, quoi. L'accordage, alors tout le monde le sait, les paris sont ouverts. Pour l'instant là, je cherche le backing track. Un demi-ton en dessous, c'est un mini bémol. Bravo Cléomène, t'as gagné un kilo de sucre. Et Cléomène qui gagne. Un baril de lessive Pollux. Cléomène, c'est pas banal, ouais. Vaughan m'a beaucoup influencé. Et ma Fender que j'ai là, voilà. C'est un son Vaughan. Dans Cold Shot, on l'a, hein. Donc en fait c'est la tierce mineure hein, de la pentatonique de la tonalité donnée. Donc en la mineur c'est un do et donc en mi mineur c'est un sol. Donc là je cherche autre chose. Je crois que j'ai entendu le verre résonner. Putain, j'ai l'automaton qui parle tout seul. Je sais pas si vous l'entendez. Allez, couchez. Ah oui, c'est ouais, moi je suis un guitariste fumeur. Mon professeur me disait arrête de travailler la guitare en fumant. Même si t'es fumeur, parce que tu ne pourrais plus jamais t'en passer. Et il avait raison. Alors, je me suis corrigé. J'ai des périodes où j'arrive à me corriger plus ou moins. Et ouais, je sais, Seth. Ben, il faut plus. Bon, sinon, je m'accorde un mi bémol. Hein.
Mais ça me fait chier, le mât quand même. Ah, ça y est, je vais, c'est bon. Il est temps de créer votre propre site internet. Créez dès aujourd'hui votre site internet professionnel avec Wix. Faites votre choix parmi des centaines de... Avec Wix, je crée mon propre site internet. Vous trouverez un modèle qui répond à vos besoins. La solution de création de site intuitive de Wix vous permet de créer un site à l'image de vos envies. Wix. Modifiez vos textes, choisissez un arrière-plan ou téléchargez le vôtre et ajoutez des galeries élégantes. Comme moi. C'est venu du cœur, hein. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Et où ma plume? Dans mon cul, c'est normal. Tu l'as cherché en même temps. Tu t'attendais à cette réponse? C'est normal. Richard, je t'adore. Je te fais une grosse bise. Ah ouais, moi aussi ça m'arrive que les gens m'appellent pendant que je fais un live. Je ne supporte pas ça, c'est inadmissible. Alors oui, ok, Johan, écoute, à refaire, carrément, carrément. Voilà, on n'hésite pas à te biper, pas de problème. De rien, ma couille, c'est un grand plaisir. Salut Renaud, merci pour ton compliment. On fait ce qu'on peut. Alors, on m'a demandé du blues tout à l'heure, donc choisissez-moi un truc, tu sais, mais triste quoi, un blues en mi, en si mineur, c'est un truc vraiment. Voilà, et je le joue à la Fender, hein, je reste sur la Fender. Attention, je vais faire quelque chose qui est proscrit par le CSA. Les charges de plus confiance en général. Je salue tous les routiers au passage. Je connais un peu ce. Enfin, j'ai jamais été routier, mais je connais cet univers. Salut Robin. Alors, je mets ces lunettes. Parfait.
Je fais une dernière improvisation. Je vous remercie vraiment tous d'avoir été là. Vraiment, c'est vraiment un pur bonheur. Un vendredi soir, comme à la maison. Voilà, des fois j'invite des potes, des fois je suis avec vous. Moi, je voudrais qu'on puisse le faire en fait à plusieurs en même temps, quoi, en fait. Il y a un logiciel qui existe, c'est une extension de Cubase. Hein. Je crois que c'est Cubase Live, ça s'appelle, on se connaît comme ça. Merci Nico, je vois ton commentaire. Plaisir partagé, Richard. Dans 5 secondes, je fais une dernière improvisation. Si vous êtes là, c'est super. Si vous n'êtes pas là, ben, c'est super aussi, quoi, parce que nous, on s'en fout, quoi. Voilà. Le monde part en couille, les Anglais nous quittent, il y en a, ils se font sauter, mais nous, on s'en fout, parce que on a l'amour de la musique, l'amour du blues. Voilà, l'amour de la guitare, c'est extraordinaire, je le dis vraiment sincèrement, quoi. Voilà, je suis pas là pour... j'ai rien à vendre, quoi, voilà. Enfin si, je vends un peu ma chaîne et tout ça, parce que voilà, on a tous besoin de reconnaissance, et un musicien a besoin de reconnaissance, mais voilà, on s'en tape, quoi. Dernière improvisation, je remercie tout le monde. Si vous avez des chaînes à présenter, peu importe les gars, juste dites-le. Si vous ne le dites pas, je ne le fais pas. Si vous le dites, je le fais. Alors Richard, il a un groupe aussi qui est un petit peu à part, c'est guitariste de blues. Voilà. Je vous invite à y aller parce que à n'importe quel moment de la journée, il y a des postes super, des vieux morceaux, enfin vieux, pas forcément vieux toujours. Et franchement, c'est vachement sympa, c'est guitariste de blues. Allez dessus, je présenterai Richard, hein, ton groupe guitariste de blues qui est super. Alors j'ai des demandes d'amis que j'avais pas acceptées, Aurélien Genter et Olivier Jérémy, j'accepte de suite. Je vais vous parler du contest In Office. Voilà, je vais vous faire écouter le morceau, allez, 20 secondes et puis je reviens. C'est le morceau que je peux travailler pour le concours, s'il y en a qui se sentent. Ok, donc ça je regarderai déjà. Ouais, moi ça me dérange pas de. C'est une chaîne gamer, ça me va très bien. Salut Renaud, merci à toi, merci à tous. Et un hommage à l'Angleterre qui nous a quittés. Voilà, un petit peu brutalement quand même, il faut le dire. Je mets les lunettes de Code Blanc. Merci à vous, c'est le Facebook Live, Guitar Talk Show numéro 4. 4. Merde, j'arrive trop tard. Alors François Moreau, non, tu n'arrives pas trop tard. François, ça fait plaisir que tu sois là. Pour François, tu vas juste arriver. Cette improvisation plus que douteuse, je vous laisse, je termine. Merci vraiment, merci à vous. Donc merci à tous, rendez-vous. La vidéo se trouvera dans une journée ou deux. Allez, salut Richard, ciao. Merci à tous, ciao ciao.